Bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et on se retrouve sur Heart of Iron 4 pour la suite du let's play avec l'Empire français. Donc, sur la défaction, vous voyez que l'OTAN est quand même assez grosse et qu'il y a la Confédération des Soviets chinois, voilà, bref, des communistes. Donc, je vous dis qu'on va pas taper sur l'OTAN tout de suite, hein. On va plutôt se faire l'Autriche, hein, qui est pas dans l'OTAN. Et après, je vous dis que, vous regardez, vous avez la coalition asiatique des musulmans. Et ceux-là, si on leur fout sur la gueule aux musulmans, ils sont une faction. Faction, je vous rappelle que les États-Unis sont contre ces guignols-là. Donc, à la limite, nous, avec nos troupes-là, on peut très bien essayer de taper dans le tas. En disant que oui, ces connards-là, ils sont du côté musulman. Ouais, chasse à l'homme, voilà. Ça, c'est protégé par qui? C'est pas protégé, d'accord. Donc je me dis qu'il y a moyen après de taper sur du musulman tranquille. Regardez, eux c'est monarchistes. Alors là, matériel outdaté, voilà, on va prendre ça. Attendez, c'est quoi, c'est du jazz mécanisé? Voilà. Faut toujours améliorer nos trucs. Bon, alors l'Autriche, ça se passe, c'est quand la guerre commence? En mai? Oh, ça va être long. Oh, socialiste au pouvoir au Japon? C'est quoi cette blague? Donc là, attendez. Anti-avancée, voilà. Eh ben, je pensais que ce serait... What? Mais c'était les monarchistes qui étaient à fond. Oh, d'accord. Ah, ils ont dû se faire torcher comme des cons par les Chinois. Et du coup, ben, ok, ben, le parti socialiste est à vous voir. Et bien, les socialistes, c'est les monarchistes là où vous arrivez au pouvoir. Ils ont une trousse avec le Japon. Et le Japon, normalement, ils ont fait le Japon fantoche, mais vu que les démocraties ne peuvent pas avoir d'état fantoche. Du coup, ben. Keiko Itosaku. Nationaliste. Monarchiste. Les monarchistes, l'avantage, c'est qu'ils ne voudront pas rejoindre des factions. Militariste. Le coin entre 5, entre 15 et 25. Ouais, voici ce que c'est que le Moyen-Orient. On tapera sur... Mais eux, ils avancent, hein! L'État islamique d'Afghanistan, là. Avec le Mollah Omar, là. Le pire, c'est que la coalition là-bas, l'OTAN, ils ont ça. Et les Turcs là aussi. Et bon, Saddam Hussein et les Turcs ont l'air de galérer un petit peu là. Saddam va s'user contre les Turcs, ça je le sais. Et Malte là, c'est. Social-démocrate conservateur, d'accord. Nous, on va tranquillement attendre. Hein. Qu'est-ce qu'on crée sinon?
qu'on fasse, c'est que j'ai gentiment également produit du matos. Il manque quoi? Light tank MBT. Ah non, c'est là. Ça par contre le moto aussi j'en ai plein là. Crossir j'en l'OTAN. Bulgarien joint l'OTAN, d'accord. Voilà. Il en faut plus. 2,2 par jour, c'est pas assez. Il manque quoi? De l'acier? La Chine. J'achète de l'acier. J'achète de l'acier à la Chine, c'est une blague. Le Japon est en guerre contre la République de Chine. Les mecs de se prendre une branlée, ils recommencent. Le Japon a rejoint les musulmans, putain. Le Japon a rejoint la coalition des musulmans. Sérieusement. Les mecs, c'est tellement à la rue que vous faites ça. Oh là là. C'est pathétique. Guerre défensive contre... Oh, contre tout ce beau monde là. Oh, ça fait mal. Oh, on va se marrer, on va tranquillement attendre là. Je prépare une petite guerre ici. On va me rouvrir la présence navale. Roquette expérimentale, voilà qu'on rigole un petit coup. On va faire quoi? On va chercher. On va chercher un petit peu de ça. Les marines c'est bien, et mon problème c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui soit balèze en autre chose que des marines. Un mec c'est bon dans le désert ou dans les collines. Toi tu me plais bien toi. Regardez, normalement ça va être bon, hein. Vu la puissance qu'il y a en face, on va pouvoir les torcher. Normalement mon plan est prévu pour pouvoir les défoncer, les rushs viennent. Tout en les maintenant sur une ligne normalement ici. Normalement on devrait pouvoir y arriver comme ceci. Il manque quoi? De l'acier. Oh. On peut construire quelques bâtiments qui pourront de l'acier ici. Trois aciéries.
Encore, c'est sûr que cette région sert à quelque chose. Oui, tout ce qui est reconstruire là. Ça veut dire que ça pourrait être fait plus tard. Qu'est-ce que j'ai là? Entière, ah oui, entière. C'est toujours chiant de gérer ça. De gérer l'ordre en plus. C'est de recherche. On va pas faire ça. Logistique. Rajoute-moi encore de l'acier en Chine. On importe de l'acier chinois, c'est horrible. Scandaleux. Bon, par contre, il y a un problème maintenant, c'est que le fait que l'OTAN. Bon, ben. Heureusement que c'est toujours séparé. Je pense que la Serbie ne vous aura pas rentré dans l'OTAN. La Serbie ne vous aura pas y rentré. On les défoncera, on les défonce, on doit les défoncer normalement. Après on sera à Jordanie, puis l'Irak, parce que l'Irak est déjà en guerre après tout. Ah! Border Station? Ah, ça se fera intéressant. Il permet d'avoir des informations sur les troupes ennemies, sur leurs déplacements. Ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement utile ça, je trouve. Non, ce que j'en construirais, mais je pense que j'en construirais. Ça c'est conservateur, ça c'est Nicolique, ok. Ah, c'est plus Milosevic. Regarde, c'est pas des noms connus là. C'est Merkel. V, je connais pas. S, KF. Les Russes, c'est toujours les sociodémocrates. De l'acier, de l'acier, encore de l'acier. Bah, l'usine sera bientôt terminée. T'as quand même des islamistes avec qui sont alliés avec Saddam Hussein. Alors que Saddam Hussein a passé son temps justement et ses décennies au pouvoir à justement éliminer les islamistes. Dans le cadre d'un État laïque. Et dans le cadre du parti Baas. Saddam n'était pas une menace. Hein. Autant que l'histoire, oui, mais Saddam non. Bon, le Japon, là, il arrive quoi? Bah, ben, il se prend une branlée encore une fois, vous allez voir. Oh, bah qu'est-ce que ça? Une occupation américaine! Cette fois-ci, les Américains débarquent au Japon. Hein. Ils se sont dit, oh bah cette fois-ci, on y va. Ça devient un peu pète ou pas le Japon? C'est comme ça qu'ils rencontrent pour eux, hein, les pauvres.
Et nous, Jean-Christophe, on est en train de préparer d'accumuler du stock. J'aimerais bien qu'on me dise combien il me manque. Alors, et logistique. Ça prendra 40 jours, ça prendra 9, près de 1000 jours, mec. 1000 jours. Oh. On va virer, on va changer quelques chaînes, hein. Que deux. Tout ça, on va monter, hein. Je l'assurerai. Le Japon a capitulé. Ça, c'était même pas étonnant. On va retourner faire des mangas plutôt que de faire n'importe quoi. Et on va voir quelle situation du Japon. Non! République de Chine. Et Japon, il y a plus que quelques petites idées à la con. Ah ouais, mais d'accord, mais la capitale, bon, il y a encore l'Irak puis l'Afghanistan. Bon, la Chine va charger l'Afghanistan, à tous les coups, vous allez voir. Côté l'Irak, ben. On va se dire conquérir Alajara? Ouais, vache, ils se font enfoncer là par les Turcs. Si on peut gratter un truc, hein, je dis, tant qu'à faire. Normalement, je pense que la Chine va rapatrier ses troupes de l'autre côté et enfoncera ben, les Afghans. Avec là, les Turcs sont déjà en train de faire le boulot. Moi, j'espère honnêtement que l'Autriche va pas rejoindre les tarés islamistes. Hein. Même si tout est possible à cause de ces conneries. Programme de bombes. Je lui dis, hein, renforcer les frontières naturelles de la France, je le ferai le plus tard possible. Pour pas déclencher la guerre contre l'OTAN trop vite. Au contraire, ce qui serait intéressant, ce serait que l'OTAN s'épuise. Ou que l'OTAN éclate, hein. Je veux dire qu'il y a des. On est au petit coup d'état, nous d'ailleurs. 26 septembre 2009, oh la vache. John McCain! Oh, c'est McCain, d'accord. Ouais, c'est vrai que Bush a dégagé, il a fait ses deux mandats. National élection. Bon. On est où du coup déjà là? 24 juin. On va se marrer, nous.
9 mai. Donc là, nous, on est où? On y est bientôt. Y a pas des deux pays qui vont faire des guerres, je sais pas, un pays Oh! 30 terres à l'Aquilée, bien sûr. C'est pour ma pomme ça. Nigeria, t'as pas un peu grossi là? Non, pourtant ça c'est. Non, c'est à toi pourtant. Non. Je suis toujours un petit peu Cameroun dans le plus gros là, c'est le Biafra là. Gabon, Congo. Ouais, c'est le. C'est la RDC, hein, l'ancien Zaïre. Zimbabwe. Mugabe, mais putain, bien sûr. Là, c'est Mbeki. Et en Colombie, c'est quoi là? C'est Manuel Santos. Hugo Chavez, bien sûr. On va acheter moins d'acier à la Chine. Guerre sous-marine à outrance, voilà. Bombardement, voilà. Donc là, c'est quoi? C'est. Où ces tâches là? Oh, il y a un bug! Il y a un bug dans le jeu! Oh putain! Bon. Là, l'Irak se fait commencer à envahir. Là, il y a les Américains qui ont mis les pieds à Mossoul. L'Afghanistan. Je suis sûr que l'Afghanistan va craquer. Regardez les autres guerres là pour rigoler un petit coup nous. Alors. Plus ou moins, voilà. Cette guerre là, on va voir. Mon majeur c'est l'Afghanistan. Ah bah et donc. L'Irak a perdu quand même 257 000 hommes. Ouf, ça fait mal. Il peut falloir zéro en casualité les Américains. Kyrgyzstan, putain, 7 000. Ça c'est bugué à mon avis. Hein. C'est la deuxième agression japonaise contre la Chine. Eh ben non. Faut vous pourrissiez. Faut pourrir le l'Afghanistan. Hein. Les Chinois sont en guerre ou pas contre les. Ouais, en guerre contre l'Afghanistan. Vous pouvez y arriver. Voilà, on voit que ça commence à partir en baston. Il commence à entrer dans le Pamir. Ah, c'est bien ça. Si Chinois progresse, ça va. Ils vont se faire déboîter les Afghans là. On va rien, bon coup. Ah, j'aime pas beaucoup moi. C'est pas grave, une fois que les coups d'état seront terminés contre la Chine et les États-Unis, normalement le problème.
Liban, notre ancienne colonie, on la récupérera d'ici peu. Surveillez, c'est nationaliste, c'est partie basse. Les autocrates ne s'intéressent pas à l'idéologie. Tout ce qui les intéresse, c'est de garder leur pouvoir et de maintenir. Mai. Pour votre riche. Réactionnaire, ouais. Social-démocrate, conservateur, et eux ils ont 28%. Comment est-ce qu'ils font pour rester au pouvoir, ces cons-là? Ah, mon caoutchouc. J'ai le problème des caoutchoucs. Après, est-ce que j'ai besoin d'acheter autant? Je suis devenu autosuffisant en pétrole. Bien! High stabilities! Good. Ça va longtemps que j'ai pas de char. Au reste, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va mobiliser. Je mobiliserai pas plutôt ce front-là, moi. Allez, qui sert à quelque chose? C'est lorsque la guerre va éclater. En tout cas, je voulais faire une faction avec le Japon, ça sera peut-être pas possible là pour le moment. Est-ce qu'on peut pas enfoncer les Afghans là? Ah, physique expérimentale, ça y est! On va chercher ça pour pouvoir chercher les jets. Les bombes nucléaires, j'en ai plein à plus tard quoi en foutre. Les Canadiens. Non mais voilà, la Syrie et le Liban, ça a toujours été des territoires côté historiquement côté sous domination française hein, depuis la Première Guerre mondiale. C'est des mandats. Et j'ai plus assez d'acier. Putain, je vous jure. Enfin, on brigue en Suisse alors. Ah! Conquête du Tyrol est faite par la France. Enfin, la justification est faite. Et bah donc, je pense qu'en plus, l'épisode a quand même déjà duré pas mal de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!